Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. On se retrouve sur Bad North, qu'on a commencé hier. Donc on avait fait une paire d'îles, hein, comme vous pouvez le voir, et on avait quatre garnisons. Donc maintenant, il faut qu'on continue sur cette lancée, et je pense qu'on va commencer à se faire gentiment casser le cul par tous les sbirros du bled. Et ça va pas être fun. Ça va pas être fun, mais on va se démerder. Donc on a 18 de thunes, on pourrait améliorer nos unités logiquement. Et alors c'est quoi cet objet? Génère davantage d'or. Ah c'est bon ça! Il faudrait que j'arrive à le filer à un mec. Donc pour rappel des troupes, nous avions les archers hyper vénères, que nous avions qualifiés d'employés Amazon du mois. Particulièrement efficaces, hein, qui au début avaient clairement la capacité de tir d'un Stormtrooper. Et qui maintenant sont un petit peu plus vénères. Parce qu'on les a améliorés. Et heureusement parce qu'ils puaient le sexe. Terriblement. On a une autre escouade d'archers qui sont niveau CM1. C'est-à-dire pas terrible. Mais pas le bas de l'échelle. Donc c'est pas trop mal. Et on a les gros bourrins. Fantassins. Ah non, c'est les Shtukas ça? Oh, je sais plus. Non, c'est ça. Fantassin, gros bourrin avec un marteau qui peut mettre des patates de forain. Et on a ce que j'ai délicatement surnommé les Shtukas, c'est-à-dire des fantassins, mais qui ont la capacité de faire des sauts en piqué. Ah, mon stream a été déconnecté, j'apprécie beaucoup. Tentative de reconnexion, c'est cassé. Ah, c'est cassé, j'adore ça. Ah, c'est cassé, j'adore ça. Bon, alors on redémarre la clé 4G. C'est pas grave. Ne me jugez pas, je vous en prie. Fallait bien que ça arrive, hein. J'ai pas pensé à éteindre la clé. Oui, parce que des fois la clé me fait des petites blagues. Clé 4G s'éteint. Et se relance. Pour une raison complètement obscure. Je déteste. Je déteste cette merde. Je redémarre la clé. Désolé YouTube, hein. Tu nous excuseras pour ce désagrément. Les joies de streamer sur la 4G. Merci, merci encore Orange, je tiens à remercier Orange du plus profond de mon cœur pour avoir détruit ma ligne fibre pour une raison que j'ignore. Allô? On peut se connecter à Internet s'il te plaît? Je peux m'énerver. Je vais pas m'énerver, je vais pas m'énerver. C'est promis, j'ai pas envie de me vénère, mais là, là ça commence. Allô? Oh, je le déteste. Attendez. Je promets que ça va se résoudre dans très peu de temps. C'est une promesse que je vous fais. Je ne peux pas la tenir. On va surtout tâcher de pas s'énerver. Hein. Pas de raison. Ah! Normalement, Internet is coming back. Internet is back. Est-ce que le stream arrive à se reconnecter? Ça, c'est la grande question, ça. C'est la grande question. Il a l'air de galérer un peu, quand même. Reconnecte-toi. Tu peux le faire. C'est pas grave, je vais relancer. Oh, quelle indignité. Quelle indignité. C'est bon, c'est revenu, là, ou pas? On est d'accord que non, hein. C'est pas revenu. Si. Ah si, c'est revenu, Hosanna. Bon, désolé, désolé Twitch, hein, c'était broken. On est déjà à 4 minutes d'emmerdement maximum sur la VOD Twitch. Enfin, YouTube, pardon. Donc, ma clé 4G a décidé d'arrêter de vivre et s'est suicidée. Sous mes yeux, c'était un immense plaisir. Donc, du coup, je sais plus ce que je racontais comme conneries. Nous avons donc les gros bourrins, deux archers et Jean-Michemuche les Shtukas. Alors, ils peuvent se mettre sur une falaise et sauter sur les gens en dessous. En mode vénère. Et du coup, on a cet objet, la pierre philosophale, qui nous rapporterait plus de pognon, et je pense qu'on va la filer à eux, parce qu'ils n'ont pas d'objet de prédilection, et ils sont pas aussi fragiles que peuvent l'être les archers, donc ça me paraît être le meilleur bail. Voilà, et de toute façon, il faut qu'on se repose. Oh, ça va commencer à sentir la croquette, cette histoire, là, va falloir que je m'amène le fion, ça pourrait être bien. Ok. Bah, c'est y part. Hein. Oh, c'est mignon. Alors, c'est un jeu qui est très joli, hein. C'est très mignon.
très minimaliste. Alors celle-là, elle va être casse-couille. Hein. Il va falloir qu'ils gambadent, les mecs. Ça va être comique. Alors les archers, c'était les bleus et les violets, oui, c'est ça. Ok, alors ok, donc ça commence déjà, c'est ça y est. Les ambiances commencent, double front, direct. Direct, il y a une volonté de nuire. Allô? Voilà, c'est bien. Pétez-leur la gueule, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, merde! Ah, alors, attention, c'était pas prévu. Ça n'était pas du tout prévu. Elle va être compliquée, celle-là. Elle va être vraiment compliquée, celle-là. Oh là là, quelle indignité. Quelle indignité. Ah, je saurais qu'il faut que je redémarre cette putain de clé 4G avant chaque... avant chaque début de live. Hein. En espérant que ma putain de ligne fibre revienne vite. Allô? Il a totalement pris la conf, lui. C'est honteux. Bon, alors, eux, on va leur faire un petit coup de Shtuka. C'est le best buy ever. Alors, c'est un peu compliqué. Faut attendre qu'ils soient le plus près possible parce qu'ils bougent vite, en fait, ces cons. Voilà. J'aurais peut-être dû garder ça pour une vague plus lointaine, mais c'est... Oh là 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 là, oh là 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 là. On va se faire laver le cul, hein, je vous le dis. On a toujours la possibilité de faire des volets de flèches. C'est une possibilité à pas négliger, donc c'est spec des archers. Qui permet de mettre des bonnes patates de forain. C'est de eux, ouais. Qu'est-ce que... Ah bah... Eh bah vous allez la bouffer, hein. Voilà. Mangez vos morts. Ils ont foutu le feu à la cahute, les bâtards. Mais heureusement, mes employés du mois Amazon sont là, en toutes circonstances. Pour défendre leur île, évidemment. Donc, là, ça va être très chiant parce que... putain, je vais avoir deux fronts. J'ai deux fronts à gérer, j'aime pas, je déteste ça. Eux, ils sont relativement insensibles aux archers. Et il va falloir défendre cette petite maisonnette là. Vas-y, bats-toi. Voilà. Et on va les recover. Parce que. C'est. Ah, c'est bon, putain. Ok, ça va. Ça commence à être un peu showtime là. Et je manque de troupes, clairement. Je manque de troupes. Alors. Là, il va y avoir un move stratégique à faire, il faut qu'on les passe en élite. Parce que les archers... à moins que je les passe... Il faudrait peut-être que je passe mes fantassins aussi. Et là, je peux passer mes deux unités en fantassins... en mode un peu plus vénère, quoi. J'utilise jamais cet objet de mort, là, qui peut mettre des grosses patates, et c'est con, parce que... Ça peut me sauver le cul, quoi. Non, mais il est fou. Il est fou, j'allais prendre l'île alors que j'ai pas passé le tour. Oui, parce qu'en fait, ce personnage-là, Enwas, il a un objet qui lui permet d'être déployé deux fois par tour. Sauf qu'évidemment, c'est le plan Q... oh là là. C'est évidemment un plan Q infini. Parce que... Bon, c'est bien sur les petites îles quand il y a personne. Mais dès qu'il y a un peu de monde, c'est fini, quoi. Alors... Ça arrive de par là, donc... On va mettre nos archers. Là, l'objectif, c'est de passer nos autres archers en mode vénère. Voilà, évidemment, ils vont courir tout droit, c'est con. Putain, vous avez une portée en mousse ou quoi? Comment ça se passe? Connard. Ah, pétez-leur la gueule, pétez-leur la gueule, vite! Voilà, là, c'est le début des sales ambiances. Ah, c'est le moment où on commence à plus trop rire, quoi. Donc là, on va avoir besoin d'un coup de Shtuka, ça va être nécessaire. Ah, mais ils sont que 4. Bon, ça va. Mais ils ont l'air nerveux. Ça a l'air d'être des gros, hein. Oh, putain. Ils ont l'air imbutables. Oh là là. Alors, ne surtout pas oublier, évidemment, c'est un roguelite, hein. Donc, si je me fais casser le cul, c'est forever. Je perds une unité,
elle disparaît à jamais. Il va y avoir une volée de flèches qui appartient. Je vous le dis, je vous le crie. Bon, ça, ça va, c'est... Ça se manage. Maintenant, il va falloir que je les fasse récupérer, j'ai pas le choix. Ah là là, c'est compliqué, c'est... C'est des archers, quel enfer! Bon, ça, l'avantage, c'est que ça va tomber très vite, hein. C'est quand même un peu des bolos. Ça va être bon. Voilà. Ah, c'est les gros, je les déteste. Alors là, les gros, on va partir en mode vendetta. Donc, Shtuka... Et eux, ils peuvent mettre une patate. Hein. Pas négliger la patate de fort. Hein. Il y en a. Oui, ils se sont fait bolosser, c'est bien. Oh là là, j'aime pas les gros. Alors là, ça y est. Voilà, c'est là que les ambiances... You know the ambiance, you know les bails. Ça va commencer à puer la merde, là. La dernière vague arrive. Ça peut être pire que ça. Oui, c'est vrai, ça peut être pire que ça. Allez. Vous allez me défendre ça, hein. Oh là là, ils sont nuls. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, putain. Moi, je pensais que vous étiez les employés du mois, et en fait, vous êtes juste des baltrins, quoi. Il va évidemment... Merde. Oh là là. Ça commence à devenir showtime, hein. Est-ce qu'ils ont recover la volée de flèche? Ouais. Et bah... Go, volée de flèche. Oh putain. Ils ont un peu sauvé le truc. Allez. Ah merde, évidemment trop loin. Bon, ça va. On a du bol, on a perdu qu'une baraque. Ça aurait pu être bien pire que ça. Qu'est-ce que ça m'a rapporté, cette église, là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Point de passage atteint. J'ai pas encore assimilé toutes les mécaniques du jeu. Là, il y a une garnison. Ce serait bien qu'on ait une garnison en plus. De toute façon, je ne peux améliorer personne, là. J'ai pas l'argent, j'ai pas les sous. C'est encore... Ah, putain, il y a les gros bolos. C'est dur, hein. C'est dur. Ça commence à devenir chaud, là. Est-ce que je doublerai pas cela? Ou alors, est-ce que je peux pas améliorer les Shtuka ou une... Ah, mais oui, mais si, je peux améliorer la volée de flèche, évidemment. Ça peut être nerveux, ça. Eux, ils n'ont pas... J'aurais pu acheter la volée pour eux aussi, c'est un peu con. J'ai peut-être mal géré le truc. Non, il faut que je passe mon tour. Le mec est pas malin. Hein. Bon, ça, c'est relativement défendable, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de hauteur. Et c'est un avantage stratégique non négligeable. Ah putain, un prochain tour, les deux la tombent. Donc faut que je fasse la grosse, j'ai pas le choix. C'est intéressant parce que... je peux mettre mes archers haut. Ce qui va me permettre d'attaquer de très loin. Ok, ça vient de par là. Évidemment, le placement est dégueulasse. Allez. On est chaud. Faut bombarder, là. Là, faut gazer, faut cramer tout. Bon, alors, eux, c'est vraiment les sbires. Ce qui a un avantage non net. Oh putain! Putain, il me la joue juin 44, les bâtards. Il me la joue juin 44. Bon, l'avantage, c'est que c'est vraiment des bolos. Et en fait, plus ils sont stack, plus mes archers sont efficaces. Donc là, il y a un contrôle optimal de la situation. Attention, ça va plus être la même dans 10 secondes. J'annonce. Hein. Je préfère vous annoncer maintenant que ça va être la merde. Il y a... Ouais, ça va. Ils sont un peu nuls. Mais là, les archers vont pas pouvoir faire grand-chose. Ah si, ça va quand même. Si on arrive déjà à éliminer au moins un bateau, c'est cool.
Parce que eux, ils vont rusher. Oh là 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 là, c'est chaud. Oh, ils sont chauds, hein. Ils sont vénères. Bon, ça, normalement, ça dégage assez facilement. Parce que les archers. Puis on va peut-être foutre un coup de. Une patate de forain là-dedans. Oh, je les ai bolossés! Ah, les gros! Là, les gros qui arrivent. Alors là, je vous annonce direct que ça va pas être la même. Là, on va beaucoup moins rire. Les gros sont horribles. Il y en a un autre là-bas. Ils sont très très énervés. Ils me détestent. Ah, on n'arrive pas à en faire tomber un, quoi. C'est terrible. Va falloir manage ça, ça va être très chaud. Oh là 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 là. Oh, il est tout con. Ah, il s'est fait bolosser. Un peu, c'était drôle. On va essayer de faire un coup de Shtuka. Hein. Ça, normalement, c'est gérable par les archers. Ok. Bon. C'est là qu'on voit toute la puissance de l'attaque en piqué. Bon, ça va, ça va. On s'en sort pas trop mal. On se fait pas tant d'argent que ça. Oh, si, quand même, mais 8 pièces. C'est pas trop mal. Mais ça nous permettra pas de passer... Il nous faut 20 pièces. Passer au niveau supérieur... de nos archers qui sont quand même assez nerveux. Ça, c'est une toute petite île, mais il y a des gros et j'ai que lui, donc c'est compliqué. Et je pense que je vais la dodge. Celle-là, je vais l'éviter. Je vais l'éviter. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, ça, normalement, ça devrait se... Bon, on a un commandant local. Ah, mais alors, du coup, ça veut dire que je peux pas... J'ai que 4 commandants max par île. Ah, je peux remplacer. Ok. Ouais, je suppose que sur les petites îles, j'ai pas le choix. Mais bon, là, c'est un peu des bolos, donc on va prendre que des archers. On va remplacer... Ah, je sais pas. Non, je vais garder mes archers d'élite. Ouais, on va faire ça. De toute façon, il y a le commandant local. Ah, c'est con parce que le commandant local, je pense que c'est un... C'est un archer. Non, c'est un épéiste. C'est de l'infanterie classique. Ouais, c'est un peu con. J'aurais peut-être pu optimiser ça un peu mieux. C'est vrai que j'ai pas été forcément très malin sur ce coup-là. Ah, ok. Ça commence les sales ambiances, quoi. Ça commence déjà à puer le sexe menu, quoi. Il se fait un peu victime quand même. Bon, c'est bon, il n'y en a plus qu'un. Normalement, ça, ça dégage. Ok. Mais non, mais pourquoi je les mets là? Ah, mais quoique, eux, c'est les... Ouais, il y a peut-être une possibilité de manager le truc. Tirer sur le dans le tas, là. Ah, c'est là que le... Les... Ouf, quoique... C'est une blague. J'ai vraiment cru qu'ils allaient passer ces bâtards. J'ai vraiment cru qu'ils allaient essayer de me la jouer à l'envers. Bon, ça c'est pareil, ça dégage vite ça. Bon, sur un truc comme ça, je peux foutre un coup de Shtuka. Hein. Allez-y. Allez les archers là. Fais un truc, s'il vous plaît. Non mais mieux que ça. Mieux que ça. Salut Mila, ça roule? Alors. Ah, ils ont pris tarot. Il va falloir faire attention parce que... Ouais, non, on va les laisser un peu en arrière. Cassez-vous, dégagez. On va les laisser un peu en arrière parce qu'ils ont pris tarif quand même. On va mettre eux là et on va leur faire une descente. Descente du coude. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors ça... Ah, putain. Ok, du même côté. Ok, j'adore. Super. On va les envoyer se soigner un peu parce que ça va être le bordel. Merde, mais le pire timing ever, c'est les gros. Bon, je vais foutre un coup de patate. Patate de forain.
Ok, bon ça c'est très bien. Ouais, ils sont nerveux. Ils sont très très nerveux. Yes, et toi, c'est quoi le but jeu de gestion? Alors moi ça va très bien, et en fait le but c'est un roguelite de stratégie où tu dois défendre des îles. Tu incarnes des garnisons de vikings et tu dois défendre des îles contre des assaillants qui viennent te péter la gueule comme des malpropres. Et donc l'objectif c'est que tu avances d'île en île. Et tu dois défendre les maisons de chaque île. Et à la fin de chaque vague d'assaillants, tu remportes des pièces selon les maisons que tu as réussi à save. En gros, c'est ça l'idée. On n'a pas de piquet. On n'a pas de piquet. Mais maintenant, alors ce qui est intéressant, c'est que je commence à avoir suffisamment... Ah ouais, vraiment, en mode FTL. Ouais, y a un peu de ça, ouais. C'est un peu... Il y a un petit délire FTL, effectivement. C'est assez marrant. Maintenant, l'avantage, c'est que, étant donné que lui, je peux le déployer deux fois par tour et que c'est mon archer le plus vénère, et que j'ai 4 sbires... Enfin, 5 sbires... C'est-à-dire que je peux commencer à faire des tours à deux îles. Des petites, des trucs comme ça. Bon, après, on va pas se cacher que c'est assez audacieux quand même comme démarche. Hein, je serais un peu le roi des cons. Pieds légers, ah, c'est vrai qu'ils ont des titres. Pieds sûrs, eux, ils ont pas le droit. Et lui, lui non plus. Lui, il va se faire foutre. Ok. Ok. On a déjà cassé des culs. Hein. On a déjà sérieusement cassé des gueules. J'ai 14 pièces, alors est-ce que je pars en mode j'améliore eux? Alors 3 archers, c'est complètement overkill. Maintenant, il faudrait peut-être que je fasse un régiment de piquets, quoi. Unité de corps à corps défensive munie de piques longues, excellente pour tenir une position, mais ne peut pas se battre tout en se déplaçant. Ah oui, alors d'accord, donc eux, il faut vraiment que ce soit les rabatteurs. Ça peut être un délire, hein. Ça peut être un délire. Et donc là, du coup, ça veut dire que logiquement, je peux me déployer avec 2 unités sur cette île-là, parce que lui, il a le droit à 2 déploiements par tour avec le pot de merde. Et lui, bah, il a pas été déployé au tour d'avant. Ah, c'est marrant. Mais là, on a des gros. Et les gros, ça pue la merde. Ok. Mais alors, du coup, ça veut dire que je fais 2 régiments d'archers, quoi. Ouais, j'ai peut-être pas managé mon truc avec intelligence sur ce coup-là. Sachant qu'eux n'ont toujours pas la volée de flèche, et eux ont la volée de flèche améliorée. Je me sers pas assez de mes capacités, c'est un vrai problème. Est-ce que j'essaierai pas de le passer en piqué, lui? Allez, on va... De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est des roguelites, alors on teste et on crève. C'est du die and retry, quoi. Donc... En fait... Ah, mais ouais, mais non, mais attendez, je suis baisé, là, parce que du coup, ça veut dire que si je vais me bloquer là-dedans, je pourrais rien faire derrière. Ah, c'est showtime, hein. Ça, c'est une petite île. Maintenant, ça... Ouais, y a des gros. Ouais, mais j'ai que 2 archers, c'est un vrai problème, ça. Non, mais je vais la bypass, hein. Celle-là, je vais la bypass. Et je vais peut-être aller choper la garnison ici. Ah, il y a une vraie vibe FTL, en fait. Il hein. Y a une vraie, un vrai délire FTL, c'est marrant. Bon, la connexion a l'air de tenir bon. Ouais, alors le stream sur laquelle est 4G, c'est toujours des grandes histoires. C'est toujours des grands moments d'e-sport. Mais non, mais passe ton tour, débilos! Ou alors je fais vraiment le... je fais vraiment le mongoloïde et je tente, mais... Ah non, en plus, elle est horrible. Y a pas... Ouais, y a pas de falaise si haute que ça. Aux archers, ça va être compliqué. Puis y a les gros, quoi. Les gros... faut les aligner, quoi. Je vais pas jouer au con. C'est pas grave, je vais perdre l'île. Et quand j'en aurai 6, je pourrais commencer à me poser la question d'en faire 2 par tour. Là, il y a un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ok, ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ai mon piquier, et idéalement, il faudrait que j'ai... Bon, de toute façon, lui, il pue la merde, donc je vais prendre mes archers améliorés. Et on va repartir dans la configuration Amazon Prime, les employés du mois. Alors, archer tout en haut. Et obviously. Et ça arrive par où? Ça arrive par là, ok. Bon là pour l'instant c'est du connard. Hein. Pour l'instant c'est juste... c'est voilà, formation classique de trou du cul. Y a rien d'extravagant quoi. Ça va des carrés vitef ça. Alors c'est là qu'on voit toute l'efficacité des archers quand même.
qui sont presque capables de twipe un bateau avant que les mecs arrivent, quoi. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Alors on nous refait la même, sauf que ce problème de ceux-là, c'est que ils sont archi-proof. Là, il y a une arnaque évidente. Faut que j'arrête de laisser toujours un espacement, en fait. C'est ridicule. Enfin, ils sont archi-proof. Une fois que c'est amélioré, ceux-là, ça passe mieux, quand même. Ah, ils se mettent des fions, quand même. Hein. Ils se mettent des sacrés fions, quand même. Bon, ça va dégager vite fait. Je sais pas qui a pris le plus cher. Ça, normalement, étant donné que c'est une grosse stack, les archers, ils vont faire très mal là-dedans. J'ai bien dit normalement. Oui, si, ça. Si. Il y a une performance. En tout cas, une tentative. Ah, ok. C'est là que les ambiances changent un peu, quoi. On va foutre une volée de flèches là-dedans. Je vais envoyer eux là. Je vais mettre eux ici. Et là, je vais mettre un coup de marteau là-dedans. Oh non. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Nous sommes sur le service public. Je l'ai pas mis. Oh, je me déteste. Fuyez. Barrez-vous. Oh là là là. Ça, c'était très mal géré, ça. Là, il y a eu une très mauvaise gestion. Oh non, c'est les gros. Ah, c'est les gros. Ils ont pas mis leurs patates, hein. Ou ça n'a pas fonctionné, je sais pas. Il reste plus que... Ah non, putain, j'ai eu peur. Alors, c'est lui qui est en PLS total. Ah ouais, alors lui, il est en... Lui, tu vas aller te soigner, mon gars. Bon, les gros, je vous le dis direct, ça va être chaud. Et évidemment, c'était pas la bonne. Bon, bah... Ah si, ça va. Il y a quand même une... La reach est pas trop dégueulasse. Oh là 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 là. Ça, là, ça commence à puer la merde. Mais vous êtes 1 contre 5, vous allez pas me dire que vous pouvez pas le bolosser, là. Faites un truc de votre vie, putain. Bon, eux vont revenir. Oh! Alors ça, c'était play of the game. J'ai vraiment failli crever comme le dernier des cacas. Mais ça, c'était play of the game. Jette-le dans le canal, c'est exactement ça, j'ai fait une Finkelkraut. Jette-le dans le canal! Il est additionniste. Je suis certain qu'il est additionniste. Et il reprend sa marche débonnaire. Ah, je peux améliorer les objets aussi. C'est bon à savoir, ça. Putain, j'avais pas fait attention. Du coup, ça voudrait dire que le pot, je peux l'améliorer. Ah non, je peux pas améliorer le pot. Pour être déployé 12 fois par tour. Quel enfer. Donc ouais, je peux augmenter... Alors, est-ce que je commence à jouer piqué ou pas? Ah. Il va y avoir des choix à faire. Donc du coup, poursuivons ça, ça saute. Ah non, ça, non, il faudrait que je fasse celle-là et ensuite ça. Mais alors là, j'ai des inconnus et je n'aime pas du tout ça. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet là. Ça va commencer à être vénère. Je pense qu'on arrive sur une perte rapide, quoi. Bien épuré et tout, c'est beau comme une Twingo. C'est exactement ça, c'est joli comme tout. Ils ont vraiment des têtes de vainqueur. C'est délicieux. Hein. On sent que lui, là, Owen, c'est pas sa guerre. Clairement, le mec s'est retrouvé là. Il y a une erreur dans le recrutement. C'est terrible. Et alors, c'est quoi ça, du coup? C'est charge. Ok. Ah oui, ça, c'est nerveux, ça. Ça, il y a moyen que ce soit drôle. Du coup, est-ce qu'on repart vraiment sur le mode élite? Ça commence à devenir chaud. Hein. Je vous annonce une défaite très prochaine. Soon. Là, les piquets peuvent être intéressants autour d'après. Ça a l'air d'être une île un peu casse-couille à défendre en plus de ça. Ah, il y a deux baraques en bas. Y a pas... Enfin, si, il y a des falaises, mais... Celle-là, elle va être dure, je pense. Elle va être très, très dure. Ah, mais si, on peut aller sur celle-ci après. Alors, est-ce que ce serait pas worse de faire celle-là? Ah, mais... Écoutez, vous savez quoi? On va all-in comme des porcs. Les piquets, je vais les mettre en mode nervous breakdown. Petite, ou alors je les améliore. Allez.
Moi, j'aime vivre dangereusement. Et on va essayer de faire celle-là à ce tour-là. Ah, c'est le plan cul. Je vous l'annonce direct, c'est le plan cul. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud de ouf. Et c'est des ennemis qu'on n'a jamais vus. Sale histoire. C'est... Ok. Les ambiances. Ils vont arriver où? Ils vont arriver là, d'accord. Crash, je vais me faire bolosser. Non, ils débarquent où? Qu'est-ce que je fais? Oh, ils sont... En fait, ça va, mais... Allô? Je peux avoir une action, peut-être, je sais pas, un truc... En fait, ça va, les piquets ont l'air de faire le taf, quand même. Mais, ouais, ça va être... Je sens la croquette, là. Allez! Ouais, ils mettent des patates, quand même. Ils mettent des patates. Easy, attends, c'est pas terminé, parce que... Oh là là, alors là... Voilà, là c'est vraiment la pire config. C'est-à-dire qu'il va falloir que je sorte mes archers. Trop loin. Je peux encore leur mettre une patate en ligne droite. Hein. Je peux toujours sortir une volée de flèches aussi, même s'ils ont l'air d'être un peu flèche-proof quand même. Ah, ils sont nerveux, hein. Ils se font piquer le cul comme des brochettes, mais ils sont un peu nerveux, les gars. Hein. Donc bon, si je comprends bien, en fait, dès qu'ils arrivent, ils mettent une patate de forain et c'est loose. Ah, alors là, voilà, la situation qui va être dure à tenir. Faites un truc de votre vie, putain! Voilà. Ok, bon. Ok, ça j'aime. Ok, ils vont arriver là. Bon, ça c'est... Oh, ok. Ah mais non, mais je n'aurais pas acheté de technique, je les ai juste améliorés, c'est vrai. Bon, ça va en fait, c'est manage, c'est géré. On master le truc, easy. Ok. Donc il va falloir commencer à prendre des risques. C'est fort les archers, bah, c'est surtout que je les ai améliorés à fond en fait. Et là, effectivement, ils sont assez vénères. Mais au début, ils sont vraiment complètement useless. Ils puent la merde. Ok. Donc là, il faudrait que je fasse île de brève. Mais je peux déployer combien de monde là-dessus? Je peux en déployer 4, hein, on est d'accord? Peut-être 5? Une île à 5? Non. Oh là là, ça va être indéfendable, ça. C'est très sectorisé, en fait. Et quand ils... Alors, ils peuvent pas débarquer par l'arrière, donc ça veut dire qu'en fait, le front que je défends, c'est vraiment ça, quoi. Il va me falloir les archers pour sniper, là. Là, j'ai pas le choix. Donc j'ai... J'ai combien de pièces d'or? En fait, il faudrait que j'achète la volée pour eux. Parce que c'est vraiment super efficace, la volée. Le pot. Le pot de merde. 14. Alors, j'ai pas la thune. Il est énergisé. Il a bu du Monster Energy Drink. Il a bu du Monster Energy Drink. Bon, allez, c'est tipar. On va se faire ça. Et on va essayer cette île-là. Et ensuite, celle-là. Ah, mais non, mais attends, là, c'est le plan cul de ouf. Non, c'est bon, parce que c'est ça qui va sauter au tour suivant. Oui, c'est bon, ok. Non, mais c'est ok. C'est ok, tiers. Parce que là, il y a une garnison. C'est intéressant d'aller choper la garnison. Ouais, il y a du gros. Hein. Il y a du agro-gros là-dessus. Hein. Là, on va s'éclater, je vous le dis. Ça va être comique. Quoique, avec les archers, eux, ils font pas les cakes. Et bah... Et de toute façon, s'il faut perdre, j'assumerai. J'assumerai la défaite. C'est fou. J'aurais dû prendre les piquets, j'ai pas été malin. Parce que je sais pas du tout comment vont réagir les autres connards. Parce qu'il y a les gros, là. Alors, ok, donc pire plan cul. Dès le départ, ça m'envoie les gros, un gros et les connards. Génial. J'adore cette ambiance. Ce jeu est génial. S'ils font pas les cakes, ils cuisinent quoi? Alors, je ne sais pas. Ce sont des vikings. Je ne connais pas leurs mœurs culinaires. Sûrement des sales trucs. Ah, ça se frite dans le goulet d'étranglement. Ambiance. Faut remonter, il va se faire bolosser. Ah non, le pauvre. Ok, c'est là que le plan cul commence. C'est maintenant, c'est pour vous. Allô?
j'ai fait. Alors, c'était pas voulu, mais ça a marché. Par contre, j'ai perdu une maison, et ça, c'est terrible. Là, il va falloir que je mobilise mes shtukas, je pense. J'ai acheté la volée pour eux. Hein. Ah, c'est eux qui ont fait la volée, donc c'était pas la volée vénère, ça va. C'est sauvé, en fait. Ok. Ils vont par où? Ok, ça c'était bien. Ça c'était c'était GG well play. Merde de fan de Johnny. Ah, y a une bonne spatialisation, c'est marrant. Ok, alors là... là ça pue la merde. Hein. Ouais, ça commence à sentir un peu la merde. Ok, bon, si ça, ça tombe... Eux, de toute façon, ils puent. Faut aller se battre, là. Oh non! Oh, j'ai cassé mes gars! Je me déteste! Il y a du friendly fire, j'étais sûr que ça allait arriver un jour. Faites un truc, fais un truc de ta vie, par pitié. Ouais, là ça commence à chauffer sévère, hein. Ça commence vraiment à être chaud, là. J'ai plus de volée de flèche. Cela dit, j'ai encore mes shtukas. En fait, c'est con parce qu'ils attaquent pas les bons, et c'est dommage. Ok, ça, c'était peut-être pas le mieux. Allez, il va falloir faire un truc, les gars. Et merde. Bon, je vous annonce qu'on va pas sauver grand-chose, hein, de cette île. Je vous annonce que là... J'ai peut-être un peu mal géré mes archers, j'aurais pu faire deux teams, quoi. Et là, on a toujours l'attaque plongée, hein. La volée de flèche, c'est récupéré, là, ou pas? Non, pas du tout. Oh là là, je déteste ma vie. C'était nul à chier, c'était dégueulasse. Sinon, je sais pas, non mais voilà, je fais n'importe quoi. Bon bah, c'est ok, c'est loose. On va au moins réussir à sauver une baraque quand même. Dites-moi qu'on va réussir à faire ça. Cassez-vous, taisez-vous. Ok. C'est vraiment la game de la misère, quoi. Oh, c'est terrible. C'est dur, hein. Putain, ça commence à devenir showtime. Bon là, je sens le plan cul sur celle-là. Ok. J'ai un commandant local, mais alors avec 3 garnisons, je vais pas faire le cake. Non mais je vais skip celle-là, elle a l'air beaucoup trop galère. Après, faut remonter là. Hein. Si je veux choper la garnison, faut remonter là. Mais je vais prendre plutôt celle-là, je crois. Je vais prendre celle-là et je vais passer mon tour parce que... Parce que là, c'est trop greedy. Ce serait beaucoup trop greedy. C'était combien l'amélioration de ça? C'était 8. Ouais, quand même, ça coûte cher. Ça coûte quand même un peu cher aussi. Qu'est-ce que je fais? J'achète ça. Parce que l'attaque plongée, c'est marrant, mais faut-il encore réussir à l'exécuter, quoi? C'est toujours le problème. Et là... Ah, il pleut. Oh, c'est trop mignon. Ouf. Putain, les sales ambiances, hein. Je sais pas si ça peut apporter des malus ou quoi. Ce serait marrant, en vrai. Oh, wow. Pardon, c'était le gerbotron. En vrai, je sais pas du tout, parce que... J'ai un commandant local, donc c'est-à-dire que je suis obligé de me passer d'une de mes unités. Il vaut mieux que je prenne mes shtukas ou île de l'été. Elle s'appelle île de l'été, c'est le seum. C'est le seum de la météo. Parce que Vanda, il a l'air de puer un peu, quoi. Est-ce que je prends deux archers? Parce que là... Peut-être cool s'ils veulent mettre le feu. Ah, ce serait très drôle, ça. Franchement, ce serait marrant. S'il y a cette gestion-là, ce serait marrant. Ah, mais attendez... un peu l'exposition de ma webcam, j'aurais dû la laisser en auto, j'ai pas été malin là-dessus.
mieux. C'est quand même vachement mieux. Ok. Donc en gros, j'ai qu'un côté à défendre. Parce qu'ils vont cavaler comme des mongoloïdes. En fait, faut que je maintienne tout ça. Et avec deux archers en haut, ça peut faire très mal. Et il y a de la falaise pour faire du saut en piqué. Donc je vais plutôt prendre mon deuxième archer là. Sachant que j'en ai deux. J'ai deux unités au cac. C'est pas forcément complètement débile. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Ce qui est bien, c'est que s'ils arrivent par derrière, comme là, j'ai le temps de les avoiner avant qu'ils débarquent. Sauf qu'évidemment, le jeu va me la foutre. Va m'en foutre plein le cul. Ouais, bon, c'était pas malin ce que j'ai fait, parce qu'au final, eux, c'est vraiment des sbires, hein, ils vont se faire allumer. Ouais, voilà. Non, non, mais non, mais parce qu'ils font une espèce d'attaque chargée, eux. Oh, ils se font bolosser. Ok, c'est trop marrant. Alors, ça va être très compliqué. Il est où? Ah, il est mort, hein. On va maxer sur ce bateau-là. On va évidemment tout maxer sur ce bateau. Et on va aller bloquer par là. Ça, normalement, ça va dégager vite F. Bon, là, je peux... Ok. Il va où, là? Ok. J'ai voulu faire une attaque en piqué, j'ai jamais rien fait de ma vie, c'est dégueulasse. Allô? Oh, ils se sont fait péter le cul. C'était assez violent. Hein. Bon, Vanda, clairement, il est mauvais. Hein. Ils vont commencer. C'est le pire scénar du monde. Ils vont commencer à m'envoyer tous les sbires. Ok, ça c'est. Ok. Il s'est assis comme un enfant, quoi. Oh, les tartes, quoi. Bon, là, je peux faire une attaque en piqué, c'est pareil. Hein. Et évidemment, putain, je les déteste. Ils font le tour par l'autre côté, évidemment. Pire connard. Vas-y, viens te battre, enculé. Ah, ils sont venus en haut. Ok, bah super, j'adore l'ambiance. J'adore cette ambiance de merde. Vous allez me le niquer, lui, hein. Vous allez me le niquer. Ils vont se faire... Putain, ils vont se faire savate. Ils vont se faire savate, ça va être terrible. Ok, bon, je vais partir du principe que, de toute façon, l'île est nulle. Ah, il monte. Ok, ça monte. Ok, ambiance. Ok, bon délire. J'aime ça. Alors, c'était peut-être pas hyper bien employé, là. Merde. Vous pouvez me la battre, s'il vous plaît? Merci. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup quand même. J'ai plus rien en fait. Si, j'ai une volée de flèches là. Ok, c'est bien. Très bien, très bien. Bon, on a sauvé les mobs quoi. C'était pas dingue, mais on a sauvé un peu les mobs. Et on a perdu personne surtout. C'est ça le plus important. Ça commence à devenir galère, putain! Charge lourde, ok. On a les pieds légers, maintenant on a charge lourde, très bien. Donc on a 6 et 13 pièces. Ok, ok, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. À quelle gueule celle-là? Bon, ça c'est défendable. Hein. Il y a de plus en plus de relief en fait, c'est dingue. Enfin, c'est terrible. Et il faut que j'avance, de toute façon. J'ai pas le choix. Là, je vais avoir... Ah non, mais c'est manage, ça. Ça, c'est gérable, ça. J'ai un archer. Ouais, non, si, c'est carrément gérable. Parce que c'est les sbires et c'est les gros moches. Mais avec les piquets, ils font pas les cakes, donc ça va. On va le tenter. De toute façon, ça coûte pas grand-chose. Les piquets, je crois que je les ai améliorés. Donc c'est pas trop mal. Ok.
Ah, ça va être chiant en fait, hein. Ah ouais, ils peuvent débarquer par là aussi. Bon, là, ils ont l'air de venir de ce côté-là. Ça, de toute façon, ça dégage vite, hein. Je connais les ambiances. Ils peuvent encore me faire une arnaque à faire le tour par... Ouais, je sais pas. C'est pas clair. Faites un truc, les archers, par pitié. Ouais, voilà. Alors, ils se font aligner par les lanciers, c'est cool. Ça va faire le tour et ça va venir par là. Bon, ok, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Eux, ils ont la méga charge, donc je peux mettre une patate de forain. Oh, les enfoirés! Petit bâtard. Ça dégage. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y, venez vous battre là. Vous faites les cakes, mais... Oh, le bâtard! Oh, putain, ils m'ont dodge. Ils m'ont cassé une baraque, je les déteste. Et ça monte, et ça monte! Ok, cassez-vous. Ah, c'est chaud, hein. Putain, c'est chaud. Viens, gamin. Reviens, gamin, c'était pour rire. Alors, je sais pas par où ça va arriver. Ouais, si, ça va forcément monter par là, ça. La dernière vague arrive. Ah, parce que c'était pas déjà assez le seum comme ça. Je suis pas vénère, c'est pas vrai. Bon, eux, ils vont monter par là, ils vont se faire assaisonner, c'est bien. Il est en train de... D'accord. Bah, très bien, hein. Là, vous allez tirer toute votre life. C'est un peu con. Ok. Ok. Ok, j'apprécie. Non mais oh. Attendez, il est où? On se croirait chez les bolcheviks ici. On se croirait chez les bolcheviks ici. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué. En fait, ils se spécialisent de plus en plus. Au début, c'était fastoche parce que c'était des sbires, mais là c'est... Ça commence à devenir... C'est un peu un jeu de tryharder quand même. Bon, ça c'est perdu, mais ça c'est pas grave. Celle-là, elle est toute petite, donc ça se défend. De toute façon, là, il va falloir que je tape la grosse, hein, j'ai pas le choix. Mais il va falloir que j'améliore mes troupes aussi. J'ai pas beaucoup d'argent, en fait, c'est ça le problème. Ouais, ça va être dur de... Et puis j'en gagne de moins en moins, parce que... Alors, ce que je peux faire, c'est vraiment la technique du connard, c'est de mettre des points là-dedans, parce que ça me rapporte un peu plus d'argent. Si je peux augmenter de 2 pièces, on va dire que ça me fait... c'est un investissement sur l'avenir, ça me fait des revenus constants. Donc si j'ai 3 pièces par baston... Enfin, par baston où Jean-Michemuche, c'est pas ma guerre, est engagé, ça peut être cool. Okay, le stream tient, c'est cool. Je peux améliorer la volée. Ou alors je lui donne une spécialisation. Est-ce que je ferais pas un deuxième piqué? Parce que c'est cool les piqués quand même. Ah, je le passerai bien en piqué. Oh, je fais 3 archers. Vrai connard. Non, je vais faire des. Je vais commencer à un peu à équilibrer entre guillemets mes régiments. Ah mais attendez. J'en avais combien? J'en avais 3. Mais c'est parce que j'avais un régiment local juste avant, oui, c'est pour ça. Là, je vais pas pouvoir faire la même arnaque. Hein. À moins que celle-ci soit très facilement défendable, mais j'y crois pas trop. Lui, il peut être engagé 2 fois par tour, donc ça, c'est pas grave. Donc je peux mettre mes 2 archers là. Il y a quoi? Il y a du gros. C'est quoi eux déjà? Ah, c'est les mecs avec des boucliers. Ils sont un peu pénibles, mais ça se fait. Et je peux mettre Vanda, parce que Vanda, je l'ai pas encore très, beaucoup amélioré, il est sacrifiable. Allez, on va try cette config là. Tiens, on va mettre du monde en haut, ça c'est évident. Piqué fantassin, faut voir par où ça arrive. Par contre, la pluie c'est chiant là. Hein. Bon, on va les accueillir gentiment. Allô? Allez les archers là.
bourrer toute votre vie. Bon, eux, de toute façon, c'est vraiment des sbires, donc on s'en fout complètement, quoi. Et c'est là que les sales ambiances commencent. C'est là qu'on va beaucoup moins rire. Mais vous pouvez... Enfin, putain. Putain, mais pire que des Stormtroopers, quoi. Pire que des Stormtroopers. Bon, ils se défendent bien, hein. Les piquets, ils sont forts, quand même. Il est drôle, voir. C'est un peu tard. Je vais espérer qu'il passe pas loin. Mais je crois qu'on va perdre Vanda. Ça va où? Où je joue avec ce ralenti tactique, hein. Absolument nécessaire, hein. Ils vont aller là, ok. Ok, ok, c'était pas mal. Ok, c'était pas mal. Et il va falloir que je coupe le live en vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Revenez! J'avais pas vu que c'est les archers. Bon, l'avantage des archers, c'est qu'ils puent un peu quand même. Parce qu'on va les bolosser gentiment, quoi. Ah, les gros. Les gros, ça va pas être le même délire. Cela dit, les gros... Ah, c'est pas des gros du tout. J'étais bourré. Mais non, il y en a pas des gros sur celle-là. Fais un peu de sport. A tous si t'es toujours là. Des bisous Mila. Chou, merci d'être venu. Marrant. On va leur faire un peu de chat perché, hein. Bon, on s'en est pas trop mal sorti sur celle-là, c'est cool. Et je vais couper le stream et faire une pause parce que de toute façon, si je fais pas ça, ok. Bon, ça c'était une game worse. Je vais faire une pause. Pause classique des 1 heure de live. Ah, des mines, trop marrant. Du coup, ça veut dire que je peux poser des bombes, c'est trop bien. Parce que... parce que, quoi. Enfin, je m'en comprends, quoi. Là, il y a des inconnus. C'est un peu l'île d'entraînement, quoi. Non, je vais faire une pause, et puis de toute façon, faut que je coupe le live, parce que, à mon avis, la Pox 4G va encore faire des siennes. Donc, je le coupe et je reviens après. Ok, et je vais terminer la VOD YouTube aussi. Salut YouTube, merci d'avoir regardé, je te fais des bisous, on se revoit très vite.